Et aujourd'hui, je commence une nouvelle série, Pourquoi David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est comme, j'ai la chair de poule juste à vous en parler tellement que ça me bénit de vous le partager. Vous savez, il y a des choses que t'aimes parler et parler de ce sujet-là qui touche vraiment le nucléus, le centre de la vie chrétienne, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir à l'Église et pour différentes raisons. Il y en a qui aiment l'air climatisé, il y en a qui aiment nos chaises, il y en a qui aiment la fraternité, il y en a qui aiment penser qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'Église, il y en a qui sont habitués d'aller à l'Église, puis c'est comme ça fait partie de leur coutume, leur culture. Mais ce n'est pas la raison principale pourquoi on devrait venir à l'Église. On devrait venir à l'Église pour une raison. Parce qu'on est en amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que c'est votre raison pourquoi que vous êtes ici. Et je voudrais travailler sur cet aspect-là. Parce que David nous montre des richesses dans sa parole de Dieu. Il nous montre pourquoi que Dieu le préférait aux autres. Laissez-moi vous dire, David, ce n'était pas un cadeau. Allô? Pensez pas que c'était un ange. Des fois, je vois des gens qui sont très légalistes, très selon la loi, puis sont là, puis si j'aime Dieu, c'est comme je vais m'assurer que je respecte toute la loi, puis il n'y a pas un iota qui passe à côté de moi, puis toi, tu es mieux de faire pareil. C'est comme, c'est une partie, mais il manque beaucoup d'éléments dans cette pensée ou manière de vivre la vie chrétienne. On va connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu recherche en nous? Moi, en étudiant ça, c'est comme, wow, je regarde ma propre vie, puis je me dis, wow, il y a des choses que je n'avais pas compris. Puis ce matin, on va essayer de les comprendre ensemble, et pas juste les comprendre, mais les mettre en application. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans le psaume 78, le verset 70, il est écrit, « Il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qu'il allait. » pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre. On peut voir tout de suite. Essayez de remarquer les principaux qualificatifs qu'on voit dans la parole de Dieu. Quand on parle de David, premier ici, il y avait un cœur intègre. Savez-vous c'est quoi un cœur intègre? Un cœur qui n'est pas croche. Allô? Un cœur qui veut la justice de Dieu, qui veut le bien, etc. Et David les conduisit avec des mains intelligentes. Savez-vous que Dieu n'est pas contre l'intelligence? Amen. Amen. David est mentionné dans la Bible plus de fois que tous les autres personnages. Abraham a été mentionné 300 fois. Moïse a été mentionné à peu près 800 fois. Et David a été mentionné 1032 fois. Est-ce que vous êtes capable de voir la différence que Dieu met sur l'importance d'un personnage dans la parole de Dieu? En réalité, j'aurais aimé ça m'appeler David. Y a-t-il des David ici? OK. Il n'y a pas de David? Il n'y a pas un David ici dans la salle? Oui, je sais qu'il y en a un là-bas. Là. Je t'arrange qu'il va partir à courir et venir ici en avant, je le connais là. Mais il n'y a pas d'autre David. OK. Savez-vous que David, c'est un très beau nom? Même Dr. Yong Ki Cho a changé de nom pour s'appeler David. Ouais. Puis c'est pourquoi? Parce que je crois qu'il y a le cœur selon Dieu. Alors, c'est comme David, pour les Juifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le sommet des noms. Que tu peux avoir. Alors, on parle d'un personnage ce matin extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu a pensé de cet homme? Dans Actes 13, le verset 22, ça dit, « Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Wow! On a vu tout à l'heure, intègre.
Maintenant, c'est quelqu'un qui veut accomplir la volonté de Dieu. Et je crois que si tu veux avoir un cœur selon David, tu devrais chercher à accomplir la volonté de Dieu et non pas ta volonté. Parce qu'il y a souvent différents évangiles qu'on entend. Puis des fois, il y a autant d'évangiles que de différentes personnes. Chacun a sa propre Bible, son propre Nouveau Testament. Mais David, il y avait la parole de Dieu. Quand je regarde ce passage-là, « Homme », c'est Dieu qui dit, « Homme selon mon cœur. » « Homme selon mon cœur. » Wow! J'aimerais donc ça, entre moi et vous, que Dieu dise, « Pierre Cyr, c'est un homme selon mon cœur. » Est-ce que vous n'aimeriez pas ça? Bonjour, Keltum. Bienvenue. On est content d'être revenu. Amen. Aimeriez-vous ça dire, quand on va paraître devant le Seigneur, « Hey, voici un homme ou une femme selon mon cœur. » Pour moi, là, pour moi, peut-être pour d'autres, il y a d'autres choses. C'est la plus haute distinction qu'un être humain est capable d'obtenir. La plus haute distinction qu'un être humain, un être humain est capable d'obtenir sur la terre. Homme, femme, selon mon cœur. Toute ma vie, j'ai comme recherché à être un homme selon le cœur de Dieu. Puis, j'aurais dû étudier ça avant. Qu'est-ce que je vais vous apporter ce matin? Parce que j'ai fait des découvertes extraordinaires. Puis je veux vous les partager. C'est vraiment des révélations que j'ai reçues. Un matin, je capotais, je disais à ma femme, j'ai donc hâte de prêcher ce message-là. C'est comme il y a de la viande là-dedans pour des chrétiens. Pour des chrétiens affamés. Est-ce que vous êtes des chrétiens affamés? Pour des chrétiens qui sont comme dans des lions en cage qu'on n'a pas nourri pendant une semaine. Est-ce que vous avez faim de la parole de Dieu ce matin? Vous allez sortir d'ici vraiment satisfait, je vous le garantis. La Bible, écoutez, ne flatte jamais ses héros. On a beaucoup de héros dans la parole de Dieu. Hein? David, c'en est un, Abraham. Mais la Bible, jamais les flatte. Elle nous dit la vérité sur chacun d'eux. Puis David, là, quand tu lis 1 Samuel, ça nous parle de cet homme de Dieu-là, mais ça nous donne un passage aussi. Puis là, je veux péter des ballons religieuses ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à péter vos ballons religieuses? Quand je parle de ballons religieuses, c'est des conceptions de la vie chrétienne qui sont erronées selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous, David, il est là, ça dit que son général est parti à la guerre, puis sont en train de combattre le bon combat, si tu veux, contre les Philistins. On sait que les Philistins représentent les gens du monde. Alors, il combattait les Philistins. Puis David, il est là, puis il se repose. Puis là, il monte sur le toit. Puis là, il commence à regarder. Au lieu d'être à la guerre, il est en repos. Puis là, il s'aperçoit une belle petite fille qui est à quelques maisons de lui, qui est en train de prendre son bain. Puis dans ce temps-là, ils ne prenaient pas leur bain habillé. Hein? Puis là, la convoitise tombe dans le cœur de David. Il a dit à ses serviteurs, il était full autorité. Allez me chercher cette femme-là, Bathsheba. Là, ils vont chercher Bathsheba. Puis comme de fait, ils couchent avec elle. Je ne sais pas s'ils ont un souper à chandelle avec du vin. Mais elle a tombé enceinte. C'est pas par hasard, OK? Elle tombait enceinte. Là, c'est pas si pire que ça. Imaginez-vous, Dieu regarde ça, là. Dieu dit, « Hey, David, c'est encore un homme selon mon cœur. »
Elle vient annoncer à David qu'elle est enceinte. Puis là, le beau David, au lieu de simplement se repentir, « Seigneur, je te demande pardon. Dis-moi quoi c'est que je dois faire. » Non! Il a essayé de cacher ça. Là, il fait venir son mari, Uri. Puis il dit, « Uri, tu travailles pas mal fort, tu es un bon guerrier, viens te reposer chez toi. » Puis Uri, je ne sais pas s'il savait ce qui se passait ou s'il avait entendu parler que sa femme a été demandée par le roi, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est couché à la porte du palais, puis il a dormi là. Il n'a pas été voir Bathsheba. Alors, il était là, puis David dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Le deuxième soir, pour être sûr qu'il va voir sa femme et qu'il couche avec, comme ça, ça n'apparaîtra pas que David il a eu une relation avec sa femme, il a saoulé Uri. Il a payé un repas, il l'a saoulé. Comme de fait, Uri il est resté à la porte, il n'a pas été voir sa femme. Ça n'a pas marché. Là, David il gratta la tête, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me débarrasse de lui, il faut que je me débarrasse de mon péché. Il ne faut pas que personne ne voie. » Je sais qu'il n'y a pas personne qui sont comme ça ici, c'est juste David, là, OK, là? Puis, il a trouvé un plan. Il appelle son général, lui envoie une lettre avec Uri, puis il dit, « Écoute, quand Uri va être dans le fort de la bataille, que tous les autres hommes d'Israël se retirent, puis que lui puisse être frappé, puis mourir. » Puis comme de fait, il se fait tuer. Fait que là, David, « Hey, moi, je suis loin de Dieu. Dieu est avec moi, je peux faire qu'est-ce que je veux. » Non, non. Quand Dieu dit « c'est l'homme selon mon cœur », ça ne veut pas dire qu'il épargne la justice. OK? Chacun d'entre nous, on a la justice de Dieu qui est pour tout le monde. Puis il n'y a pas d'exception. Alors David, il se pensait bien correct. Fait que là, Dieu envoie Nathan voir David. Puis là, vous savez, David c'est un berger. Alors il connaissait c'était quoi les brebis. Puis là, Nathan, il a conté une petite histoire. Il dit, « Hey, il y a un gars qui est arrivé en ville, puis il a été chez ce homme riche qui est là, puis lui, il avait des centaines, des milliers de brebis, l'homme riche, puis il dit, il voulait offrir à son invité un repas. » Fait qu'il dit, il a été chercher une petite brebis, mais la brebis qui a été cherchée, il dit, il a été la chercher chez son voisin. Mais son voisin avait juste une brebis, puis il la gardait dans la cuisine, dans la maison. Puis à chaque jour, ses enfants, ils jouaient avec ses brebis, puis ils l'aimaient. Puis le gros méchant, il est venu, puis il a pris la brebis, puis l'a tué pour l'offrir à son invité. David! Il s'est choqué! Qui ose faire une telle chose? Puis là, ben, il était en colère. Il dit qu'on remette 4 agneaux pour cet agneau-là. Et Nathan, il dit, écoute, cet homme-là, c'est toi, David. Uri, il avait juste une femme. Puis toi, tu n'as, je ne sais pas combien. Tu as couché avec sa femme. Tu as même tué son mari. Pour ça, Dieu est un Dieu juste et tu vas subir les conséquences de ton péché. Il dit, jamais l'épée va sortir de ta maison. Il va toujours avoir un meurtre ou des choses semblables dans ta maison. Puis le fils que Bathsheba attend, il va mourir. Ça, c'est le cœur de David. Écoutez, regardez bien là. Il a reconnu qu'il avait péché. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu, c'est ça qu'il veut d'un être humain, d'un chrétien, qu'on lui demande pardon. Puis c'est effacé. Mais on ne peut pas échapper aux conditions, aux conséquences plutôt, du péché. Et David, il a dit, je vais essayer de toucher le cœur de Dieu, puis je vais me repentir, puis je vais mettre un sac sur moi, puis avec de la cendre, puis je vais rester couché sur le plancher, puis ce n'est pas des planchers en tapis, là, hein? C'était comme de la pierre à terre. Il restait couché, il jeûnait pendant des journées. Il était là, puis il demandait au Seigneur, « Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Enlève pas la vie à mon enfant qui est en train de mourir. » Et finalement, bien, les sages ont appris que l'enfant était mort, puis ils regardaient David, puis ils se parlaient entre eux autres, puis David, il a dit, « Mon enfant, il est mort. » Il s'est relevé, il s'est changé, puis il s'est fait servir un repas. Puis là, les gens, ils disaient, pourquoi,
Comment tu fais qu'il fait ça? Pourquoi que... Mais ils ont demandé, pourquoi David, tu fais ça? Parce que David dit, pendant que l'enfant était vivant, j'avais un espoir que Dieu pardonne vraiment mon péché et qu'il n'enlève pas la vie à cet enfant-là. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Toutes ces choses-là nous montrent que David connaissait Dieu, que David avait un cœur selon Dieu. Puis nous autres, comme enfants de Dieu, on doit comprendre que oui, on peut pécher, on va pécher. Il n'y a pas personne ici qui est à l'abri du péché. Amen. Mais qu'on a un Dieu rempli de grâce et de compassion et de miséricorde. C'est une des choses que David avait compris sur l'Éternel. Il n'accusait pas Dieu comme un Dieu qui est plein de justice amère et qui cherche juste à venger la justice, à frapper ses enfants. Non! David ne connaissait pas un Dieu semblable à ça. David connaissait un Dieu rempli de miséricorde. Il savait que oui, s'il péchait, Dieu était pour le pardonner. Il y avait les conséquences à son péché, mais après ça, c'était fini. Ça, c'est une grande vérité sur la vie de David. Et je veux vous encourager ce matin à saisir cette vérité-là pour vous-même. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu qui est rempli d'amour et c'est un Dieu qui veut notre bien à chacun d'entre nous. Est-ce que je peux entendre un amen? La Bible nous dit toujours la vérité. C'est un menteur, un escroc, elle va nous dire. Elle nous dit la vérité sur tous les hommes. Elle nous montre également un arrière-plan des hommes avec leur fragilité et l'échec humain. Pourquoi? Pour que nous puissions magnifier la grâce de Dieu dans la faiblesse humaine. Ça, si tu ne saisis pas ça, là, tu vas être malheureux toute ta vie chrétienne. Que Dieu accorde sa grâce facilement. Que Dieu accorde sa miséricorde facilement. David, c'était un être humain comme vous et moi. Il n'était pas différent. Et souvent, en étudiant la vie de David, on étudie notre propre vie. Car en apprenant pourquoi Dieu l'a appelé un homme selon son propre cœur, on va apprendre qu'est-ce que Dieu désire voir en nous. Amen. Et en étudiant ces luttes, en vérité, on va étudier les nôtres. Dans 1 Samuel 16, le verset 1 à 13, l'Éternel dit à Samuel, « Quand vas-tu cesser de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. » Et tout à l'heure, je mentionnais quand on prenait des offrandes, Dieu a rejeté Saül. Il avait choisi, il est devenu roi, mais Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Wow! Pour Dieu, la désobéissance, c'était très important. Dieu avait spécifié à Saül, « Fais ceci comme ça. » Il y a une différence entre Saül et David. Quand Dieu dit à Saül de faire telle chose, il est chicken, il manque de courage, puis il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Quand Dieu dit quelque chose à David, il va aller jusqu'au bout pour accomplir ce que Dieu lui demande. Et ça, c'est une grosse différence. Tu veux avoir un cœur selon le cœur de David, selon que Dieu aime, ou selon le cœur de Dieu? Bon, je me trompe avec ça. C'est que première chose, quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Dis à ton voisin, quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Tout aussi simple que ça. Une chose qu'on peut voir, la différence entre Saül et David, c'est que Saül tenait à faire les choses selon sa manière, sa compréhension, son raisonnement. David, il était complètement oublié quand on parlait de Dieu. Il dansait comme un fou. Pour Dieu, lui, c'était l'extrême de sa vie. Il n'y avait rien d'autre que Dieu dans sa vie. Puis, on devrait être des fois un petit peu fou pour le Seigneur. Vous avez le droit de venir danser puis de sauter en avant? Non, vous n'avez pas compris, hein? Dans le temps de la louange, là, vous avez le droit de venir en avant puis sauter puis courir puis faire ce que vous voulez si c'est pour le Seigneur.
Déshabillez-vous pas, par exemple, là. Parce qu'on a des gens qui vont vous montrer un chemin. Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Quand est-ce que tu vas cesser de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Écoutez, je pense qu'il va avoir besoin de 3 mois pour parler de ça. Là. C'est comme à chaque fois que je veux pas qu'il règne sur Israël. Je n'ai même pas prévu de vous dire ça. Savez-vous, la taille d'une organisation, c'est important. Ça va découler sur son peuple. Puis Dieu avait vu Saül et dit, je ne veux pas que cette onction-là coule sur mon peuple. Je le rejette maintenant. Je choisis quelqu'un d'autre. En tout cas, je ne rentrerai pas trop là-dedans. Alors, il a dit, remplis ta corne d'huile et va. J'enverrai chez Isaïe Bethlehemite, ça veut dire de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il y a beaucoup de richesses ce matin qu'on va trouver là-dedans. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül va la prendre puis il va me tuer. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dire, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab. Hey! Ça, c'est jackpot. Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à l'apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » On va voir tout à l'heure. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde... » Isaïe appela Abinadab et fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma. Et l'Éternel dit, « L'Éternel n'a pas encore choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel a choisi aucun d'eux. » Placez-vous dans la peau de Samuel. Il va là, Dieu dit, « Va là-bas. » Puis, je vais te dire quoi faire. Puis Samuel a dit à Isaïe, c'est juste tes fils qui sont là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais lui, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Alors, il était blond et avait des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le passage qu'on vient de lire nous dit très clairement et entièrement que c'est le choix de Dieu. D'un point de vue humain, il n'était vraiment pas le genre, si tu veux, d'homme qu'on choisit comme roi. Et c'est ça la grâce de Dieu. On n'est pas choisi parce qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est fort. On est choisi à cause de notre cœur. Pour exécuter sa volonté, Dieu choisit qu'est-ce que le monde néglige. Dans Jean 15, 16, ça nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Alors Samuel pleure sur Saül, le roi que Dieu a rejeté. En passant, c'était le peuple qui avait réclamé un roi. Et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. C'est pas Dieu qui a dit, je vais vous donner un roi. C'est le peuple qui dit, hey, on veut un roi, on veut faire comme le restant du monde. Dieu leur a donné exactement ce qu'il voulait.
Ils voulaient être comme les autres nations. Ils ont choisi quelqu'un qui était grand, qui était beau, qui était jeune. Lui était né pour être chef. Mais le jour est venu où Saül a rejeté la parole de Dieu. Puis, peux-tu vous donner un petit conseil, ouvrir une petite parenthèse? Rejetez jamais la parole de Dieu. Je répète. Rejetez jamais la parole de Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Alors, Dieu l'a rejeté, et maintenant Samuel pleure sur Saül. Qui va prendre la place de Saül? Alors, Dieu ordonne à Samuel, « Remplis ta corne d'huile, je vais t'envoyer chez Isaïe, car parmi les fils, j'ai choisi un roi selon mon cœur. » Alors, quand Samuel arrive chez Isaïe, il ne sait pas comment que Dieu va lui montrer son choix. Tu vas chez Isaïe, puis le reste, je vais te le dire après. Ça, c'est un principe pour ceux qui veulent connaître la volonté de Dieu. Allô? C'est un principe pour connaître la volonté de Dieu. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez demain, levez-vous, habillez-vous, prenez un bon déjeuner, puis allez accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. Si tu dois aller travailler, va travailler aujourd'hui. Si tu dois faire des choses, va le faire aujourd'hui. Arrête de penser à demain. Fais-le aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Souvent, on a des rêveurs. Ils se voient appeler dans des grands ministères. Ils sont là, ils rêvent. Fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de faire dans la maison de Dieu. Amen. En accomplissant aujourd'hui la volonté de Dieu, tu vas découvrir la volonté de Dieu pour demain. Arrêtez de rêver puis travailler. Pendant qu'on travaille, Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. C'est exactement ça qu'on vient voir. Pendant que nous autres, on travaille, Dieu est en arrière-plan puis il travaille. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un a demandé à Winston Churchill qu'est-ce qu'il faisait durant les jours sombres quand les nazis faisaient pleuvoir leurs bombes sur Londres. Et il répondit, « J'étais dans le sous-sol et je préparais l'invasion de l'Europe. » Puis nous autres, on doit faire la même chose. Travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu faisait pendant que Saül se détruisait lui-même? Il s'occupait de David, le préparant comme roi d'Israël. Personne ne savait à part Dieu. Samuel ne le savait pas. Saül ne le savait pas. C'est certain qu'il ne savait pas. Isaïe ne savait pas. Et même David ne le savait pas. Alors, il y a des gens ici que Dieu va utiliser puissamment un jour, puis tu ne le sais pas. Puis il y a bien des chances que moi, je ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Puis c'est ça qui est important. Amen? Parce que Dieu connaît toutes choses. Est-ce que tu es inquiète et dans l'inquiétude concernant ton avenir? Est-ce que tu es en situation de panique? Avez-vous peur de ce qui va arriver un de ces jours? Que votre cœur se repose en ces deux mots. Dieu sait. Dieu sait. Pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà pris le devant en mettant au point les détails de ton avenir. Il s'arrange avec ton avenir. Inquiète-toi pas. Puis, j'espère que cette parole-là puisse vous relever ou relever votre âme. Attendez-vous au Seigneur. Écoutez sa voix. Continuez d'avancer. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous attend dans le futur. Mais on sait qui nous attend dans le futur. Amen. Dieu est toujours là. Quand tu penses que Dieu n'est pas là, Dieu est là pareil. Samuel se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Dans le verset 6, ça nous dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, il l'a fait passer devant lui. Il dit, c'est pas celui-là non plus, puis c'est pas celui-là non plus. Et l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. La Bible
Elle ne nous dit pas si Samuel a mis Isaïe au courant de sa visite. Samuel, il était connu dans tout Israël. Et c'était un grand honneur d'avoir le prophète dans sa maison. Alors, Isaïe a fait venir tous ses fils. Quand Éliab est arrivé, Samuel, il a été impressionné. Il ressemblait à Saül, grand et impressionné. Quand il a vu, il s'est dit, « Oh oui, Seigneur, ça c'est un bon choix. » Lui, il a l'allure d'un roi. Et l'Éternel a dit à Samuel, « De quoi tu parles, toi, là? » C'est pas lui, je l'ai rejeté. Ici, on a le premier indice de c'est quoi d'être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour le comprendre, on doit se poser une question. Pourquoi que Dieu a rejeté Éliab? Et j'ai trouvé ça ce matin en préparant le message. Dans 1 Samuel 16, le verset 6, écoutez bien, ça c'est comme important de comprendre. Samuel se dit, envoyant Éliab, certainement loin de Dieu, est ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas point son apparence, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voici des raisons principales du rejet de Éliab. 1 Samuel 17, le verset 26, nous dit, « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? » Et on parle ici de Goliath. Vous savez, toute Isaïe, c'est-à-dire Saül, il était en guerre, les Philistins étaient de côté, et les Israélites étaient à l'autre côté, et à chaque jour, il y avait Goliath qui naît en plein milieu de la vallée et qui défiait Israël. Qui c'est qui va venir se battre? Si je gagne, vous allez être esclaves des Philistins. Si je perds, les Philistins vont vous être soumis. C'est un mensonge complètement, mais anyway. Puis à chaque jour, le peuple d'Israël tremblait dans leurs pantalons, il y avait peur. Qui est donc ce Philistin? Puis David, il arrive, puis il a été amené du fromage. Vous savez, pendant tout ce temps-là, même si David il avait été oint, il n'était pas roi d'Israël. Il était juste un oint. Il avait reçu l'onction de Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas encore appelé à être le roi, parce qu'il avait déjà un roi. Là, il arrive, donne des fromages, va porter ça dans l'endroit pour les bagages, etc. Puis il commence à se poser des questions. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Est-ce que tu peux voir le cœur de Dieu? Allô, church, église, est-ce que vous pouvez voir le cœur de David là-dedans, ici, là? C'est comme Dieu est tellement grand, ses ennemis sont tellement petits, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il connaissait Dieu, dans son cœur, il savait qu'il était Dieu. Pourquoi? Parce que quand il était berger, il s'est pratiqué. Avec quoi qu'il s'est pratiqué? Avec une fronde? Ouais, mais avec quoi? Dieu lui a permis de se pratiquer avec des ours. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà combattu un ours à main nue? Pas encore. OK. Mais c'était son training, si tu veux. Alors, c'est pas que David ne faisait rien. David était occupé à être entraîné par l'Éternel des armées. Puis Dieu dit, ouais, mais aujourd'hui, je pense qu'on va l'entraîner. On va lui envoyer un petit ours. Là, l'ours venait, puis il prenait une brebis dans sa gueule, puis il sauvait. David, il partait à courir après lui. Il l'accrochait comme ça, puis il enlevait la brebis de sa bouche. Puis c'était pas un petit bébé ourson, c'était un ours. Quand tu as l'onction de Dieu sur ta vie, quand Dieu est avec toi, tu vois avec les yeux de Dieu. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu vois avec les yeux de peur, d'inquiétude, de questionnement, de raisonnement. Mais quand Dieu est avec toi, il n'y a rien à ton épreuve. La première journée, il envoie un petit ours. Il tue son ours. La deuxième journée, ouais, il s'est entraîné popé. Aujourd'hui, ils vont y enlever un lion. La même chose qui arrive. Le lion prend une brebis. David part à courir. Prend sa crinière. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donne-moi ma brebis. David était ouin. L'onction fait un changement dans ta vie.
Peut-être que tu n'es pas roi, mais tu es oint. Je préfère être oint que roi. J'ai dit l'onction de Dieu sur ma vie. Amen. On a besoin de cette onction-là. Mais comment qu'on l'a? C'est ayant un cœur selon le cœur de Dieu. Pas tes pensées, pas tes raisonnements, pas la manière que toi tu agis, selon ce que Dieu désire. Ça fait toute la différence. Je commence à être excité, là. Qui est donc cet Philistin, ce incirconcis qui insulte Dieu, le Dieu des armées? Est-ce que vous voyez le raisonnement dans la tête de David, comment il pensait, comment il voyait les choses? Il ne voyait pas comme le restant du monde. Il voyait comme loin de Dieu. Le peuple, il répétait la même chose. Il lui dit, c'est ainsi qu'on va faire celui qui va tuer. On va donner la fille du roi. Éliab, écoutez bien ceci. Pourquoi que Dieu a rejeté Éliab? Parce qu'Éliab avait toutes les choses naturelles pour être un roi. Éliab, son frère aimé. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est fondamental dans la compréhension de votre vie chrétienne. Éliab, qui l'avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. David avait été oint peut-être des années auparavant. Éliab était là. Quand que David a été oint, il est retourné à ses brebis. Oint. Il a été entraîné par l'Éternel. Éliab, lui, il a été amené parmi l'armée de Saül. Il a été enflammé contre David. Et il lui dit, « Pourquoi as-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Écoutez, ça, c'est les premiers indices qui vont nous faire reconnaître celui qui a un cœur selon Dieu et celui qui ne l'a pas. Éliab, en plus d'être jaloux de David, et de se mettre en colère contre lui. Écoutez-moi bien. N'avait aucun respect pour loin de l'Éternel. Il n'y avait aucun respect pour loin de Dieu. Zacharie 2:8. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Reconnaître l'onction sur un homme de Dieu, c'est primordial. Ne touchez jamais à un oint de Dieu. Dieu m'a oint pour être pasteur de l'Église ici. J'ai vu des gens qui sont voulu venir contre moi. Faites jamais ça. Faites jamais ça. Je vous dis, là, s'il y a une chose que tu ne dois pas faire dans ta vie chrétienne, c'est de venir contre, loin de Dieu. Je pourrais dire bien des affaires, bien je ne dirais pas. Mais ce n'est pas une chose que tu dois faire. Parce que la fin, ce n'est pas une fin heureuse. Éliab était tout le contraire de ce que Dieu recherche dans un homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu choisit un homme, il ne choisit pas quelqu'un de parfait. David n'était pas parfait, mais c'est lui qui a choisi. Et l'onction qui est sur un homme de Dieu, c'est comme la présence de Dieu qui est dans la vie de cette personne-là. Et jamais tu devrais toucher à l'onction de Dieu. Jamais, jamais. Aujourd'hui, dans nos églises, à cause de l'influence du monde, on se moque de tout ce qui est sacré. On prend comme acquis que ce n'est pas important les choses de Dieu. On vit dans ce monde-là. Dans le temps d'Israël, David était l'unique, était le seul.
qui était là choisi par Dieu pour démontrer qui Dieu est. Ne regardez pas au monde pour vous dire à quoi Dieu ressemble. Allez pas dans le monde pour apprendre des choses sur Dieu. Si tu veux connaître qui Dieu est, va voir dans la parole de Dieu. Puis c'est ça que je vous montre ce matin. On veut être des gens selon le cœur de Dieu, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Dieu prend très au sérieux son onction. David, puis peut-être qu'on va en parler dans une autre fois, il n'a jamais voulu toucher Saül parce qu'il avait été loin de l'Éternel. Même sa gang de rebelles qui était avec lui, quand ils sont rentrés dans la caverne d'Abilam, ils ont dit à David, « Il dort là, Saül est devant toi, laisse-moi le tuer. » David, il a eu la crainte de Dieu. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit posséder, la crainte de Dieu, pour l'onction de Dieu. Parce que tu joues avec ta propre vie quand tu touches à un loin de Dieu. Et David, il a coupé juste un petit bout de la robe, du manteau, de Saül, puis il tremblait en faisant ça. C'était comme, « Wow, jamais qu'il faut tout... » Vous savez pourquoi que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Ça, c'est une des raisons principales. Jamais qu'il était pour toucher loin de l'Éternel. Jamais. Pour lui, c'était comme incompréhensible que tu puisses faire ça. Jamais. Puis regarde dans toute sa vie, le fils de Jonathan, Mephibosheth, je crois. Okay? C'était comme, il a pris soin, il l'a mené à la table du roi, il le nourrait tous les jours. C'est comme, loin de l'Éternel, son fils, tout ce qu'il regarde à loin de l'Éternel, c'est précieux pour l'Éternel. C'est précieux pour l'Éternel, c'est précieux pour moi. Je vais aller plus loin que ça. Soyez patient avec moi ce matin. Dans Matthieu 5, ça nous dit, le verset 20, « Car je vous dis en vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? Si ta justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Écoutez bien, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Est-ce que comment ils sont d'accord avec ce passage-là? S'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, il faut qu'il soit jugé par les juges. OK. Mais moi, je vous dis, écoutez, ouvrez vos oreilles ce matin-là. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Autrement dit, c'est égal à un meurtre. Le passage, c'est ça, ça dit. Tu ne tueras point. Mais moi, je te dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raca, autrement dit, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que plusieurs chrétiens pratiquent et juge acceptable ou tolérant, c'est une abomination devant Dieu. Tu ne devrais jamais parler contre ton prochain, jamais insulter qui que ce soit. On parle qu'on veut avoir un cœur selon Dieu, qu'on veut être proche de Dieu, que ce ne soit pas quelque chose de virtuel, quelque chose dans les nuages de quelque part. Dieu considère que quand tu traites quelqu'un de niaiseux, insensé, etc., c'est comme un meurtre que tu es en train de faire. On veut connaître le cœur de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu. Dieu n'accepte pas que tu parles contre les autres, que tu insultes les autres. Pour Dieu, c'est inacceptable. Et David ne l'a jamais fait. On veut avoir un cœur selon Dieu, on doit faire des changements radicaux dans notre vie. David était un homme qui aimait à l'extrême. Il n'y avait pas de malice dans son cœur, à moins que c'était pour la justice de Dieu.
Comment qu'on peut comprendre? Il y a des hommes qui sont venus annoncer la mort d'Ishbosheth, le fils de Saül. À ce temps-là, David régnait juste sur Juda, pas encore sur Israël. Ils sont venus le voir et ils ont dit, « Hey, leur nom, je pense, Rama, puis quelqu'un d'autre, on vient de tuer Ishbosheth, le fils de Saül. Maintenant, David, c'est toi le roi. » Ah! C'est la pire chose qu'il pouvait faire. Dire qu'il avait touché le fils d'un oint de Dieu. Il a recoupé les deux mains, il a recoupé les deux pieds, puis il les a pendus sur le mur. Comment que Dieu peut appeler David l'homme selon son cœur? Est-ce que vous voyez comment que Dieu est extrémiste? Il aimait David à cause de la justice qu'il aimait. Et David ne peut pas sentir le mal contre Dieu. Tout ce que Dieu disait, c'était sacré, c'était parfait. Il y avait la crainte de Dieu. Pour lui, Dieu était top. Il n'y avait rien. Personne d'autre que Dieu. Dieu dit, moi je fais. Mais regardez le laxisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. On n'a aucunement la crainte de Dieu. On insulte les oints de Dieu. On fait des complots contre eux autres. Je sais, deux fois on a essayé de m'enlever d'église. Deux fois, dans mes 30 ans de ministère. Je sais, j'ai vécu ces choses-là. Mais j'ai toujours aimé ces gens-là. Jamais que je leur ai en voulu. Oui, ça m'a fait du mal. Mais j'ai passé au travers par la grâce de Dieu parce que Dieu m'a oint pour son Église. Comment que c'est important, frères et sœurs, de comprendre le cœur de Dieu. Si on veut avoir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, il y a des choses qui sont fondamentales dans notre vie. Une de ces choses-là, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu passes pas à côté de ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te parles contre eux autres. Tu ne peux pas abaisser des gens. Tu dois avoir un désir de voir l'onction, de jamais élever ta voix contre loin de l'Éternel. Puis je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, pas en tout. Je dis ça parce que je veux apprendre. Comme David avait un cœur selon Dieu, je veux que mon cœur change. On a vu sur les pensées dernièrement, comment avoir des pensées toxiques. Maintenant, je vais vous donner les vraies pensées du cœur de Dieu. Remplacez ces pensées toxiques que vous avez eues toute votre vie par les vérités de la parole de Dieu. Marche pas avec tes sentiments, marche pas avec tes émotions, marche pas avec ce que ça tente de faire. Marche selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on ne devrait pas détester qui que ce soit. On ne devrait pas en vouloir à personne. Eliab était rempli de colère, de jalousie. Ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas avoir dans notre cœur. Pas de jalousie, pas de colère, juste l'amour de Dieu. Juste être fou pour Dieu. Si tu veux être appelé une personne selon le cœur de Dieu, soit commencé à honorer, respecter autrement tout ce qui provient du royaume de Dieu. Je répète, si tu veux être appelé un homme ou une femme de Dieu, tu dois honorer hautement et respecter hautement tout ce qui vient du royaume de Dieu. Savez-vous que la Bible nous parle d'un péché que Dieu ne pardonnera jamais. Ça s'appelle le péché contre le Saint-Esprit. Dans Marc 3, 29, « Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Savez-vous c'est quoi ma compréhension du péché du Saint-Esprit? Jésus chassait des démons.
Et les pharisiens ils ont dit, c'est au nom de Belzébul que tu chasses les démons. Puis c'est là que Jésus a dit, tu peux parler contre moi, ça ne me dérange pas, mais ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissaient pas l'onction sur la vie de Jésus. Et Jésus disait, vous êtes perdus pour l'éternité parce que vous ne reconnaissez pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, avec quelle onction que je le fais. Vous savez, l'onction de Dieu, c'est quelque chose de précieux qu'on ne doit pas toucher. Puis faites attention. Ouais. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. La chose la plus importante dans ma vie, c'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Parce que c'est juste lui qui est capable de nous changer. On peut avoir un cœur dur. Dieu est capable de nous changer. Si on respecte qui qu'il est, si on respecte sa présence au milieu de nous, Dieu peut briser les cœurs les plus durs. Saint-Esprit, agis, Seigneur. Je te donne toute la gloire, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes perdus, Seigneur Dieu. Seigneur, je peux être honnête avec toi, Seigneur. Ça fait 30 ans, Seigneur, que tu m'as appelé dans le ministère. Seigneur, ça fait 30 ans que j'essaie d'enseigner à ton peuple d'avoir un cœur selon Dieu. C'est mon désir le plus grand, Seigneur Dieu, que chacun de tes enfants puisse respirer l'éternel, louer l'éternel, chanter l'éternel. Proclamer l'éternel. Mais c'est quelque chose, Seigneur, que je ne peux pas faire par moi-même. On est ici ce matin, Seigneur, pour recevoir de toi. Moi, je peux aller jusqu'à un bout du chemin, Seigneur. Assieds-toi. Tu ne fais pas le restant, Seigneur, ça ne sert à rien. On a besoin de toi, Seigneur. Vois, Seigneur, l'acceptation du péché, c'est comme pour beaucoup de tes enfants, Seigneur, il n'y a pas de différence entre le monde et l'Église. Seigneur Dieu, je t'en prie, Seigneur, révèle-toi à eux. Une touche de toi, Seigneur Dieu. Changer les vies, Seigneur Dieu. Je vais être honnête avec toi, Seigneur, j'en vois plusieurs qui ne prennent pas les bons chemins, Seigneur Dieu. Ça me fait tellement de peine, Seigneur Dieu, de voir qu'est-ce qu'ils vont arriver, Seigneur Dieu. Comme David, Seigneur, qui sentait au-dessus de tout, Seigneur. Il était roi, il était oint, puis il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de tes enfants, Seigneur, qui sont dans cette situation-là, Seigneur, qui ne cherchent pas à t'obéir, Seigneur Dieu, mais à faire ce que ça leur tente. Je te prie pour eux ce matin, Seigneur Dieu, que la conviction du Saint-Esprit
puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent se repentir, Seigneur Dieu, pour que toi, tu ne puisses pas les rejeter, Seigneur Dieu. Parce que la pire chose qui peut arriver à tes enfants, Seigneur, c'est que tu les rejettes. Seigneur Dieu, apporte un esprit de vérité, de justice, de jugement, Seigneur, dans nos vies. Que nous puissions connaître, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, tu es un Dieu qui est bon, Seigneur Dieu, et qui nous amène à la repentance. Change nos cœurs, Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Que pour avoir un cœur selon Dieu, il y a des choses qu'on doit abandonner ici, dans ta vie. Ce matin, c'est la première prédication que je fais sur le cœur selon Dieu. Puis je m'aperçois que arrêtons de jouer à l'église, s'il vous plaît. Arrêtons de jouer à l'église. Être chrétien, c'est pas juste venir à l'église. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Puis le dimanche, c'était la journée que tout le monde portait des beaux chapeaux et s'habillait bien pour impressionner les gens. Puis c'est peut-être l'esprit qui règne sur cette province. Parce que quand j'ai été dans d'autres pays, en Afrique, en Haïti, Mexique, j'ai vu des gens qui n'avaient pas peur de s'identifier pour Jésus. Ils n'avaient pas peur de danser devant l'Éternel, d'être fous devant l'Éternel. Puis quand on vient en Amérique, on trouve un christianisme superficiel. On vient à l'église parce que les autres y vont, parce que notre famille y va, parce qu'on ne veut pas déplaire à quelqu'un. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le vrai christianisme, c'est quand tu obéis aux deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être. Et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas de ta tête, de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui désirent avoir un cœur selon Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici? Mais je sens que pour qu'on puisse avoir un cœur selon Dieu, la première chose qu'on doit faire, c'est abandonner des choses dans notre vie que nous avons qui ne font pas partie de la vie d'un enfant de Dieu. Peut-être c'est ta colère. Peut-être c'est ta jalousie. Peut-être c'est ta familiarité avec les choses de Dieu. Peut-être c'est ta superficialité d'engagement. La connexion avec le Seigneur. Et je voudrais ce matin que, si vous êtes vraiment sincère, quand vous dites, je veux avoir un cœur selon Dieu, je veux vous encourager à venir déposer à l'autel des choses qui n'appartiennent pas à Dieu et qui sont dans ta vie. On ne demandera pas au micro c'est quoi, c'est toi et le Seigneur, parce que c'est une question de cœur. S'il y a des choses que tu dois
déposer à l'autel, fais-le ce matin. Tu changes mon cœur ce matin. Seigneur, touche les cœurs qui se sont endurcis, Seigneur Dieu, au travers des années, Seigneur, au travers des rejets, Seigneur Dieu. Touche les cœurs ce matin, Seigneur. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut faire que toi, Seigneur Dieu. Que nous puissions devenir, Seigneur, des gens qui sont en feu pour toi, Seigneur Dieu. Des gens qui sont consacrés, Seigneur, qui n'ont pas honte d'être appelés des enfants de Dieu. Qui n'ont pas honte de prier, Seigneur, lorsqu'ils sont au restaurant pour le repas, Seigneur Dieu. Qui n'ont pas honte de partager leur foi, Seigneur. Seigneur, les gens à l'extérieur de l'Église ne sont pas stupides, Seigneur Dieu. Ils savent reconnaître qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donne-nous d'être vrais, Seigneur Dieu. Donne-nous de ne pas jouer à l'Église, Seigneur Dieu. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des vrais disciples de Jésus-Christ. Change nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur Dieu. Change mon cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, je ne suis pas mieux que n'importe qui ici, Seigneur Dieu. Il y a des choses dans ma vie qui doivent changer. Je te demande de les changer, Seigneur Dieu. Pour que je puisse avoir un cœur selon le cœur de Dieu, Seigneur Dieu. Donne-moi plus d'amour, Seigneur Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu. Donne-moi de me réjouir, Seigneur, quand d'autres ont du succès, quand d'autres, Seigneur, réussissent. Donne-moi, Seigneur Dieu, d'être heureux pour eux. Seigneur, donne-moi un cœur selon ton cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur Dieu. Change nos cœurs, Seigneur Dieu. Laisse-nous pas de même, Seigneur. Chose dans nos vies. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu.
Envoie un réveil, Seigneur Dieu. Mais premièrement, un réveil dans nos cœurs. Fais tomber, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et qui nous appesantit, Seigneur. Enlève, Seigneur, les valeurs de ce monde pour les remplacer par les valeurs de ta parole. Seigneur, change mon cœur. Change ma façon de penser. Change ma façon de voir les gens, Seigneur. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Souvent, nos yeux sont sur ceux qui réussissent dans ce monde, Seigneur Dieu. On sait que ceux qui réussissent dans ce monde n'ont pas toujours les bonnes valeurs à la bonne place. Puis souvent, on les regarde et on les adulte. On voudrait être comme eux, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur Dieu. Change ma manière de voir les choses. Donne-moi ton cœur, Seigneur Dieu. Change-nous, Seigneur Dieu. Enlève les fardeaux, Seigneur, qui nous font courber, Seigneur Dieu, devant ce monde. Seigneur, non pas ma volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur. Mais ta volonté, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur.